Et nous embrassons Sainte Françoise, ton épouse. Voilà, spécialement aujourd'hui, il y en a eu, hein. un petit SMS juste sur notre débat de tout à l'heure sur la viande. Une étude scientifique le révèle aujourd'hui. La vie finit toujours par la mort, quel que soit le régime alimentaire. C'est très juste. Bravo. La vie est une maladie mortelle, la vie alimentaire. Oui, c'est vrai. Mais avant de mourir, il faut se régaler un peu. Oui, et voilà. dans légumes bien de saison. Et oui, je vous parle d'un curcubitacé. J'étais fière de moi en plus. Cucurbitacé. Donc, c'est pas là. Alors, à votre avis, lequel? Lequel est quoi? Le cucurbitacé. Il n'a que des cucurbitacés, là. C'est le cucu qui me trouble. D'accord. Donc, déjà, je vous ai rapporté 3 cucurbitacés et je vais de vous parler. Ne rigole pas. Je vais vous parler du potimarron. À ton avis, toi, au lieu de rire, le potimarron, c'est lequel? Le plus petit, c'est celui-là. Ça, c'est pas le potimarron, t'as rien compris. C'est le potimarron. Effectivement, c'est celui-ci. Mais c'est celui-là. Finalement, t'as raison. Ça, c'est le potiron, le gros. Tout à fait. Et à droite, c'est la courge. Et la courge butternut. Parfaitement. Dis donc, tu t'y connais en courge. Oui. Merci. Tu lui feras très plaisir. Oh non, non. J'aime beaucoup ta chérie. Donc ça, c'est la butternut. Donc, je vais vous parler effectivement du potimarron, qui est un vrai légume de saison. C'est en ce moment, c'est novembre-décembre. Donc, c'est délicieux. Il vient d'où? Le potimarron, l'origine, elle est assez étonnante. Moi, j'étais étonnée, on peut le dire. Il est d'origine japonaise. En fait, ce sont les Japonais qui ont fait un croisement avec une courge chinoise pour créer ce qu'on a appelé... Donc, avec une courge chinoise pour créer ce qu'on appelait à l'époque le potiron doux d'Hokkaido. D'Hokkaido, la petite île du Japon. Ouais. On le compare souvent justement au potiron. Quelles sont leurs différences sur le plan gustatif? Alors, sur le plan gustatif, il est beaucoup plus sucré. En tout cas, il a une saveur beaucoup plus sucrée, beaucoup plus fin, un petit peu sucré, délicat que le potiron. La chair est beaucoup plus dense, c'est un peu farineux, comme la châtaigne. Vous voyez, c'est pour ça d'ailleurs que les enfants adorent ce légume, parce que c'est un petit goût un petit peu comme ça, addictif. Alors que le potiron, c'est beaucoup plus gorgé d'eau, c'est un peu plus léger, un petit peu moins dense. Comment le choisir au supermarché ou au marché? Pour le choisir au supermarché ou au marché, il faut le choisir avec une belle robe, bien colorée, orange, rouge, brique beau, presque. Vous voyez, très beau celui-là. Et il faut vraiment que la peau soit, enfin la couleur soit tout à fait uniforme. Il faut qu'il soit également lourd, bien dense. Et si tu tapes dessus, si ça sonne creux, non, ça marche pas ça. Bah non, si ça sonne creux, c'est qu'il est pas justement. Mais c'est comme ça, ça fonctionne. C'est dense. Mais tu as raison, Maya. Tu as raison. Tu vois, celui-ci, il est bien dense, il sonne vraiment lourd. Donc voilà, celui-là, c'est un beau petit marron, on peut le dire. Avec une belle forme de toupie. 1,50€ la pièce. Il est souvent vendu à la pièce. 1,50€, ça va. Et justement, est-ce qu'on peut faire le plein de potimarron maintenant et le garder? Comment ça se conserve? Le potimarron, l'avantage, c'est que c'est un légume vraiment facile à vivre. Quoi? Je sais que tu vas rire. Congèle, tu dis que tu mets tout au congélateur. Il se congèle. Mais avant de le congeler, il peut se conserver des mois, quelques mois sur ton plan de travail. C'est mieux déjà. Et alors, ce qui est intéressant de savoir avec le potimarron, c'est que plus vous allez le conserver, plus il va se gorger de vitamines et de sucre. Donc il faut le faire un peu faisant des. Selon, un peu faisant des, en parlant de viande. À maturation. Voilà, on va le faire maturer un petit peu, voilà, c'est ça. Et vous pouvez également le congeler, bien sûr, le surgeler, tout à fait. En revanche, il faut au préalable le faire cuire un petit peu à la vapeur. Il faut le faire blanchir un petit peu. Et pourquoi? Pour éviter. Tu m'expliqueras un jour ce que c'est. Je t'expliquerai. Non, mais là, tu le fais cuire à la vapeur pour éviter qu'il se gorge d'eau quand il se. C'est ce que je fais. Moi, j'en fais déjà une purée. Je les mets dans le bac à glaçons avec des petites portions individuelles. Et comme ça, je le mets à mon fils en purée. Maya, tu sais quoi? Là, ça me fait ça avec tous les légumes. Ça me coupe la voix. C'est vrai. Ça marche que pour les enfants. Tu sais ce que je fais, moi? Dis-moi, je le prends comme ça, je le mets au four, j'allume le four, j'attends 20 minutes. Et j'appelle les pompiers. Et c'est bon. C'est vrai. Et je le ressors, il a un peu éclaté, et ça me fait de la purée, en fait. Ça, c'est une super astuce de Thomas. Un peu d'huile d'olive. Et bien, tu sais quoi? Ça ressemble un petit peu à la recette que je vais vous faire justement aujourd'hui. Ah, c'est quoi? Je vais ni vous faire une purée, ni une soupe. Voilà. Mais je vais vous faire un potimarron, ça ressemble un petit peu à ta recette. Je vais faire un potimarron farci avec de l'agneau, de l'agneau bio. Ouais. De l'agneau. T'as compris que la viande, c'était pas trop le jour de la viande. Ouais, mais vous inquiétez pas, je vous donnerai une alternative tout à l'heure. D'accord, végétarienne. Voilà. Allez, on fait la cuisine, c'est parti. Allez. Alors, de quoi tu as besoin pour cette recette? Alors, pour cette recette, ma petite Maya, ou ma grande Maya plutôt, j'ai besoin bien sûr d'un potimarron,
de l'agneau haché que j'ai fait hacher chez mon boucher, mais tu peux aussi le hacher chez toi, hein, tranquillou. Des échalotes, un petit peu de cumin, des figues, parce que je vais ajouter des figues sèches. L'agneau avec les figues, ça fonctionne pas mal. De la menthe fraîche, un petit peu d'ail. Je vais ajouter de la mie de pain, que je vais imbiber d'eau. De lait, pardon, pour apporter beaucoup de moelleux. Et donc voilà. Et heureusement que tu as un bon couteau. Ouais, il y a un message qui nous dit le problème, c'est que c'est une galère à découper la peau du potimarron. Et vrai. Justement, mais voilà, c'est vrai que j'ai la solution. Le potimarron ne s'épluche pas. Ah bah oui, effectivement. Non, mais c'est vrai, ça s'épluche pas, c'est pas nécessaire. Autant, ce week-end, j'ai fait une soupe de potiron, j'ai galéré à l'éplucher, au couteau, c'est vraiment pénible. Là, le potimarron s'épluche pas, la peau se mange, elle est tellement fine que c'est très facile. Du coup, on essaye de le prendre bio plutôt. Hein, oui, voilà, de préférence, sinon vous l'épluchez. Et sinon, pour le nettoyer, c'est très très simple. Donc là, il est coupé déjà, mais vous coupez les extrémités, d'accord. Les deux extrémités, ensuite vous le coupez en deux comme ceci, vous les videz. Tu les vides avec une cuillère, d'accord. Tout simplement, tu les vides. Et tu vas mettre ta farce à l'intérieur, c'est ça? Alors là, non, c'est encore plus malin. Enfin, encore plus malin. Je me lance un peu des fleurs. Non. Tu sais ce que je vais faire? Parce que là, donc, pour nettoyer, on continue, on les vide. Mmh. Et puis, ça fait 10 fois qu'elle dit, on les vide. Vas-y, explique-nous pendant ce temps, on les vide. Et ensuite, ouais, tu peux jeter là, c'est pas très bien. Donc, on va couper pour ma recette, on va couper le... Tu peux être un peu plus silencieux, s'il te plaît. On va couper le chapeau et ensuite, on va les vider, comme Maya le fait. Ça, je crois qu'on et ensuite, compris. Tu prépares ta farce et tu farcis tout simplement ton potimarron. Ah, bah, c'est ça, donc tu le farcis. Tu le farcis, voilà, mais tu pourrais le farcir aussi coupé en deux et comme après, ça. Et après, tu refermes. Et ah non, après, toi, tu vas même pas je referme comme un petit chapeau, comme une tomate farcie. Génial. Voilà, ensuite, j'arrose d'huile d'olive. J'enrobe tout ça dans un papier alu et hop, au four. Génial. Ouais, alors je fais cuire une heure. En fait, tu fais comme moi, sauf que toi, tu le vides. Bah ouais, t'as tout compris, c'est une recette de feignasse. Tu fais comme moi, sauf que toi, tu le vides et tu le remplis. Quoi. Exactement. Du coup, après, je l'oublie au four pendant une heure. Mais je l'oublie vraiment. Ah ouais, une heure. Bah, le temps que la viande cuise bien à l'intérieur. Très bien, bon, on verra ce que ça donne tout à l'heure. À quelle température le four, pardon? À 180. Ok, on va faire un petit point sur la recette de Farida qui, elle, fait tout à la main. Et oui, non, mais ça, le petit marron farci, je suis désolée, mais au Thermomix, c'est pas possible. Il faut des petites mains, il faut des petites mimines. Mais Farida, t'as jamais même essayé quand même les robots? Mais si, t'as testé? Non, franchement, enfin, oui, j'ai testé, mais c'est pas mon truc. T'as pas été convaincu? Non, mais si, moi je trouve ça très pratique dans le sens où on gagne énormément de temps, etc. Mais c'est pas mon truc. Je pense qu'après, c'est des habitudes alimentaires. Moi je sais que j'aime bien sentir le produit, j'aime bien mélanger. J'ai ma belle-sœur qui me convainc parce qu'elle fait partie de la communauté. Ah oui, la communauté thermomix. Elle en vend chez elle, etc. Mais voilà, elle a pas réussi à me convertir, quoi. Alors qu'elle fait des plats délicieux en un minimum de temps. Parce que tu te débrouilles très bien sans ça, c'est pour ça aussi. Ouais, c'est même pas ça, c'est vraiment. Après, c'est une question. Il y a deux écoles. Même Françoise, je crois qu'elle n'est pas du tout dans ce. Dans on va faire le match des deux écoles dans une seconde. Où est-ce que tu en es, toi? Là, j'en suis. Donc, j'ai garni mon potimarron avec ma farce. J'ai ajouté les petites figues. J'ai parsemé de figues sèches et de menthe. Et j'ajoute une petite botte secrète, une petite lichette. Mais alors, vraiment, une petite lichette de miel. Hop, pour caraméliser. Je ferme le petit chapeau. Là. Hop, j'entoure de papier alu. Et je vais glisser ça au four pendant une heure. Alors, bien sûr, j'ai gagné un peu de temps, hein, parce que j'en ai préparé une en avance. Mais voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, effectivement, Maya, tu as raison, c'est une recette de feignasse. Merci beaucoup. On est pressé de la manger. Ouais, exactement. Oh là là. Très bien. Déjà dressé. Donc après, il suffit de couper en tranches, voilà, et puis on va goûter. Oh là là, ça sent très très bon. On passe à la dégustation et au cas pratique. C'est parti. C'est parti. Hop là. Piquant, qui c'est qui veut goûter? Bon, alors tu nous as promis une alternative végétarienne, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est pas la journée de la viande. C'est la journée de la viande. Voilà, aujourd'hui, la viande, elle est un petit peu boudée. Bon, même si là, j'espère que vous avez apprécié. Il y a un petit peu d'agneau. Mais je réalise également la même recette avec, vous pouvez farcir avec du quinoa. Que vous mélangez avec, vous faites, moi je fais le quinoa pilaf avec des petits légumes. Hop, vous le faites comme un riz pilaf, vous savez, vous faites sauter le quinoa, c'est bon? C'est délicieux. C'est vrai? Bon, c'est un vrai plat de saison, hein, réconfortant et tout. Donc pour ma formule végétarienne, vous prenez du quinoa, vous le faites sauter avec un petit peu d'huile d'olive, des petits légumes coupés, les légumes de votre choix, et vous garnissez, vous fonctionnez exactement comme dans ma recette pour la farce. Vous ajoutez des œufs, de la mie de pain, hop, vous faites une farce, mais au quinoa. D'accord. Ou alors, vous remplacez le quinoa par le riz. Mais en tous les cas,
C'est délicieux aussi, ouais, sans viande. Hein. Ouais. Donc vous pouvez vraiment faire cette alternative-là. C'est très bon et la peau est effectivement tout à fait fondante, ouais, donc il n'y a vraiment pas besoin de l'enlever. Peut-être juste un petit mot sur le côté santé aussi, parce que c'est très bon pour la santé. Alors, le petit marron est excellent pour la santé, il contient la vitamine, il est bourré de vitamines. Hein, vitamine A, B, E, D, c'est pas la C, non. Et en revanche, il contient énormément de vitamines, mais il contient aussi deux fois plus, ça c'est ça qui est intéressant, deux fois plus de carotène que dans les carottes. Ah ouais. Donc le carotène qui est excellent pour avoir une belle peau, pour la vision également, donc vraiment n'hésitez pas, y aller. Et alors, c'est un petit goût sucré, est-ce qu'on peut l'imaginer en dessert, enfin en tout cas en cuisinier sucré? Eh bien écoutez, je vous ai préparé, avec l'aide de Flora en cuisine, on vous a préparé une petite confiture de, simplissime à réaliser, il y aura la recette sur le site d'ailleurs, avec donc du potimarron, de la clémentine et avec une petite lichette de cannelle. Tu veux goûter? Génial. Allez, vas-y, goûte. Franchement, ça vaut la peine. Et comme là, c'est bientôt Halloween. Ça sent bon, hein, ça sent la cannelle. C'est bientôt Halloween pour les enfants, c'est rigolo. Vous pouvez faire une tarte au potimarron. Ah oui. Une tarte au potimarron. Mais je parlais d'une purée au potimarron tout à l'heure. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bon. Délicieux. Hein. T'as vu ça? Mais même manger délicieux. Comme ça. Attends, sur un fromage blanc, c'est juste une tuerie. Ah oui. Et c'est très très bon. Et la tarte au potimarron, tu nous mettras. Là, on a la recette de la confiture. Tu nous la mettras aussi sur la plateforme. Ah oui, je mettrai sur la plateforme. Super. C'est hyper simple. Une pâte brisée, une purée de potimarron, et puis oh là là, ça roule ma poule.